c'est le Kikadi du Super Moscato Show. Alors là, Pierrot, c'est un peu spécial. Ce soir, c'est Maryse et Doc Génico. Le choix va être important pour Aboubakar qui va affronter Stéphane. Puisque, Aboubakar, tu auras le choix entre Vincent Moscato. Ou un flan Mireille, Eric Dimeco. Alors c'est un choix difficile. Je vous rappelle la dotation qui est magnifique. C'est une semaine au ski pour deux personnes à Risoul 1850. Bonjour messieurs. Bonjour. Aboubakar, ton choix est primordial. Dimeco ou Moscato? Ah, Dimeco bien sûr. Dimeco en mode flan Mireille. Très bien. Ouais, t'as raison. D'accord. Il est déjà mort de rire, Aboubakar. Où es-tu? Alors Dimeco, Maryse et Aboubakar. Juste, on a 10 secondes là, Pierrot. Tu peux la refaire, Vincent, là, s'il te plaît. Où es-tu? Où es-tu? Bah, bah, oui, yo, yo. C'est mieux ça, hein. C'est très Allez, bon. C'est parti. Allez, quel sportif, les amis, quel sportif en activité a été fait la semaine dernière chevalier par la reine Elisabeth II? Hamilton. Mo Farah. Oui, Maryse, oui, anobli par la Maryse. Reine. Ouais, sœur Mo Farah. Sœur Mo Farah, voilà. C'est super, Maryse. Sœur Mo Farah. Mo Farah, Vincent, tu connais bien. Je l'avais, joue, je l'avais. À l'aile, tu vois, du 15 de France. Alors lui, si tu le mets sur un terrain de rugby, je pense qu'il peut décéder en 2 minutes, ah, Mo Farah. C'est le pauvre. Toi. Je l'avais, Maryse. C'est bien joué, Eric. C'est bien joué, Maryse. Mais ça fait, mais c'est pas de cette semaine. Non, c'est la semaine dernière. Enchaîne plus vite, s'il te plaît, pour la team Dimeco. Ah oui, pardon, c'est vrai qu'il est zen. J'avais oublié, je comprenais pas. On dirait un alcoolique, t'es dans la réunion, tu sais, bonjour, je m'appelle Eric Dimeco. Allez, Vincent. Allez, alors là, je suis un peu embêté. Face à face d'Orion Dimeco. Sur du football, oui. Eric, Pierrot, qui est le meilleur buteur de Serie A? Icardi. Non. Immobile. Immobile. Bravo. Ciro Immobile. Wow. La Lazio, 15 buts. Oh, Erika. Immobile. Rattrape-moi, Chaka Khan. 2-0 pour Aboubakar, équipe Dimeco. Qui qu'a dit? Je dois encore faire mes preuves, mais pour ça, il faut une équipe. Donc là, je fais mes preuves dans l'ombre. Ocon. Non. Gasly. Je fais mes preuves en deuxième division. Ah, Richardson. Jackson Richardson. Ah, wow. Génial, génial. À la tête de Dijon, deuxième division du championnat de France de hand. Oh, les nuls. 3-0. Magnifique, magnifique. 3-0. Ça te réussit pas mal, la zénitude. Oui, allez, passiflore en train de moi. Qui qu'a dit? Bernard est notre président, il prendra la décision qu'il prendra. Bru, non, Bru, Magne, Dubois. Simon. Dubois, Jeff Dubois. Bonne réponse. Bonne réponse, Jeff Dubois de Pierre Dorian. 3-1 pour la team Dimeco. J'enchaîne avec un face-à-face Dimeco-Moscato. Dimeco-Moscato, Dubois, quel est son prénom? Jérôme. Non. Je sais pas. Hein? Jeanne Dubois. Non, mais on l'appelle mais non, mais Jean-Philippe. Jean-François. Non! Jean-François. Jean-Philippe. Non. Jean-Philippe. Non. Mais je l'ai dit déjà. Tu as dit quoi? Jean-Frédéric. Jean-François. Jean-Philippe. Jean-Frédéric. Bonne réponse. Jean-Frédéric, quoi, ça c'est les prénoms, ça. Ben oui, mais bon, son prénom. Moi j'ai dit au hasard, en hein, même temps, je très sincèrement, Pierrot, tu t'énerves, mais j'aurais jamais dit Jean-Frédéric. Oui. En général, Jean-François, Jean-Philippe. Ou Jean-Philippe. D'où la question. Avec 4-1. Jean-Frédéric Dubois. Bonne question. On l'embrasse à Jean-Frédéric Vincent ou pas? Jean-Frédéric, ouais, on prend vite. Mouaf. BFM TV. Ah, je l'ai, Maryse, je l'ai. Ouais. Qui qu'a dit? Emmanuel Macron n'est pas le chef de la République de Fontenay. En marche. Casanova. Il de Fontenay. Il en est le créateur. De Fontenay. Ah, Castaner. Non. C'est un des plus proches de Philippe. Macron Edouard depuis Philippe. Le début. Colomb. 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 Non, il était socialiste. Philippe. Il est député. Edouard Philippe. Kouchner. Qui? Kouchner. Kouchner. Il a failli avoir, il a eu des ennuis de justice, mais ça s'est a priori réglé. Ah, c'est putain, merde. Julien qui? Non. Mais non, c'est l'autre là, Ferrand. Richard Ferrand. Attention, tu as échappé un petit putain. Reprends une dose de phytose. Reprends une dose de 5-1 pour l'équipe Dimeco. Infusion du calme, rentre en moi. Petit grain bigarade. Aboubakar, Stéphane, question auditeur. Question auditeur, les amis, très simple. Hier soir. Ouais, mais non. Bah quoi? Allez, bah vas-y. Bah, toi, Vincent, qui, hier soir, qui a égalisé pour l'OM? Sanson, Stéphane. Oui, Aboubakar, bien joué, Stéphane. Mignon. C'est Stéphane. Stéphane, Sanson, c'est Stéphane. C'est Stéphane, 5 à 2. Bah, Stéphane, pour la aujourd'hui, team tu t'appelles Aboubakar, ok? Voilà. C'est Morgan Sanson qui a égalisé. Un petit kick à parler, tiens. Finalement, pourquoi avez-vous accepté ce challenge, monsieur? J'aime ce club. Le club, l'institution me l'a demandé. La Mouchi. Non. Accent du sud, mais c'est pas un club Garcia. Du sud. Non.
tout neuf. Hans. Il est tout neuf dans son club. Hans. Il est tout jeune. Eh oui, mais non, c'est celui qui vient d'être nommé à Saint-Etienne. Non, ah, c'est pas ça. C'est Sablé. Eh ben, c'est moi, c'est moi. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ah non, 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 c'est moi. Ah non, non, c'est moi. Rien, ils l'ont dit exactement. Ah non, non, pitié. Exactement. Et on réécoute et il n'y a pas de. Respire, respire. Ah ouh. Respire, encore, encore. Attends. Il y a Fred qui est en train de réécouter, mais. Inspire maintenant, inspire. A priori, c'est Pierre qui a même une seconde d'avance. Mais même pas, c'est pas possible. Impossible. Ah ouais, non, mais là c'est Pierrot. Là c'est non, Pierrot parce que t'as rien dit toi, Eric. Si c'est pas indiscret, t'es en train de faire quoi, Eric? Bah, il respire du petit grain bigarade, il boit de la camomille. C'est bizarre comme bruit. Et quand il est à la fenêtre. C'est Pierrot. Ça a été arbitrage audio, c'est Pierrot. Une minute, mais bon. Respire, respire encore, Eric. 5 à 3. Deuxième qui a parlé du jour. Vous avez de l'expérience, vous, monsieur. Quel est votre sentiment sur la situation des Bleus? Il faut garder le moral, relever la tête, et continuer de travailler. Il joue plus, il joue plus. Zarzewski, Zarzewski, Moscato. Ouais, non, c'est toi, je viens de le dire à l'instant. Ouais, bien sûr. Allez, là, c'est ça. Non mais attends, si je m'énerve plus, donc c'est n'importe quoi. Tu m'as pas entendu, Vincent? Mais je te l'ai dit avant, je le dis même attaque que Pierrot. Les amis, c'est très simple. Il y a ce qu'on appelle un arbitrage audio. Ça sert à rien de parler. Avant toi, j'ai démarré avant toi, Marie. On va voir, on va voir. Ah, ouais, on va entendre. Et je dis rien, j'attends l'arbitrage. Et la bonne réponse, c'est Vincent Moscato. Allez, 5-4 pour la team Dimeco. Qui a dit je n'ai jamais eu de récidive, j'espère ne pas en avoir, d'un lumbago. Plisson. Il a eu peur, il a eu peur. Attends, parce qu'on est bien dans le sport. Hein. Délo, bien sûr, du bois. Il est monté, il est très 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 fin. On l'a reçu il y a une semaine ou deux. Le tennis. Pierre Gerber, j'en ai marre réponse de faire des passes décisives. C'est moi qui m'énerve. C'est une passe décisive. Le joueur de tennis de l'équipe de France, Pierre Gerber. T'es pas là quand vous l'avez reçu, donc ça c'est bien. C'est des questions quand je suis pas là. Bravo. Ah ouais, non, mais bon, bravo si vous recevez les mails le vendredi. Mais que vous posez en les fait, questions. Je pense que j'ai fait exprès de préparer cette question, Eric, pour que tu puisses être pénalisé. Bien sûr. Eric, respire parce que moi je m'énerve. Alors respire. Trois minutes, un peu moins de 3 minutes. Non mais là ça fait carotter. Je te le dis. Respire. Tout à l'heure avec Pierrot, mais sur la vie de mes trois enfants, je suis à même attaque que lui. Et Zarzewski pareil. Marie et Vincent. Est-ce que c'est Scarabée qu'on a dans Kung Fu? Toi, ferme-la, toi. Allez, viens contre moi, là. Viens contre moi. Viens contre moi. Enfin, joue contre moi, plutôt. Marie et Vincent, c'est un face-à-face. Dernière finale de Coupe Davis pour les Bleus, pour l'équipe de France, c'était en 2014. Nous étions présents, d'ailleurs, à Lille ce jour-là. Qui était capitaine des Bleus? Benoît. Ben non, putain, en 2014, les amis. En 2014, Grosjean. Ben Grosjean. Non, Grosjean. Si c'est pas Grosjean, c'est l'autre. C'est le mari de Nolwenn Leroy. Hein? Ah, mais alors là. Il est connu! C'est le prénom, si, Marie. Si, c'est machin. En deux mots, là. Dis, c'est deux prénoms, ouais. Dis Pasquale! Non! Mais non, c'est le prénom, Marise. Je vais être traîné avec lui, putain. Alors, attendez, je sais pas comment faire. Il a le prénom du grand patron du groupe Lagardère. Je sais pas quoi ça donner va comme chez moi. Arnaud Di Pasquale. Non. Putain, mais Marie, je suis obligé de venir. Arnaud, j'en sais rien, moi. Son nom, c'est un prénom aussi. Son nom, c'est un prénom. Arnaud Pierre, Arnaud Julien. Il est consultant sur France 2. Il commente Arnaud. Et son nom de famille, c'est Clément. Clément! Non, mais là vous l'acceptez là! Le truc arrive! Non, mais le truc arrive, le texto qui arrive deux heures après, c'est où tu le sais ou tu le sais pas, déconnez pas! Alors, non, mais où est l'escarabée là, maître Pong? Arnaud Clément! Arrêtez! J'ai bugué, ça arrive! Ouais, non, mais là vous acceptez ça, c'est scandale! Ah, ça me déconne, c'est grave! C'est dur, je respire! RMC qui est la radio de la Coupe du Monde, Eric, tu viens de tenir 24 heures! Ça arrive, je vais tenir une semaine, mais par contre! Mais par contre, vendredi, je viens dans la régie vendredi, je peux te dire qu'il y en a une, il va lui manquer les aliments, je vais lui racher avec les dents. Eric, il reste 50 secondes, on essaye, on reste dedans. Qui qu'a dit, alors ça va vous plaire, qui qu'a dit, la France doit être l'une des équipes les plus mal coachées du monde. Ah, c'est... Woodward. Qui? Woodward. Non, mais un entraîneur étranger, je pense qu'il est... Jones. Non, c'est... Sud-Africain. C'est... Oui, c'est Sheka. Non, c'est l'autre. Il a entraîné le stade français, Nick Mallett. Nick Mallett. Je l'avais vu, Nick Mallett. Égalité. Balle de match. Respire. Mais on va faire la balle de match sur une BFM TV alors. Respire. Allez, Pierrot. Ah, franchement, c'est facile pour tout le monde. Qui a dit
Là, Merkel. J'apprends que Johnny manque de souffle. Sardou. Il sort Sardou. De l'hôpital. Michel Sardou, Sardou victoire d'Éric Dimeco sur la balle de match. C'est gagné pour Ababacar. Bravo Ababacar. Tu gagnes une semaine au ski à Risoul 1850. Une semaine pour deux personnes. Les forfaits et la semaine en appartement. Bravo à toi Ababacar.